Bienvenue dans l'FC et nous aurons beaucoup de choses à vous dire et à vous raconter. D'abord, le sommaire de cette émission. Nous parlons de l'Égypte et du Nigeria qui ont toutes leurs chances de se qualifier pour le second tour de la Coupe du Monde. Analyse dans la première partie de cette émission. Plein feu également sur le Mali, où un nouveau feuilleton fait son apparition. Le siège de la FIFAFOOT tremble et le président en place actuellement, contesté par ses adversaires, M. Mamadou Touré, sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission pour nous expliquer. Et puis tirage au sort du mondial aussi pour le Sénégal qui s'en sort plutôt très bien avec ses joueurs de qualité, analyse également sur ce plateau. En parlant de plateau, tiens, nous allons vous présenter celui-ci, Maître Joël Monluis, qui est avocate, mais aussi éditorialiste de l'émission. Bonsoir Joël. Bonsoir José, bonjour à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Il y a Saïd Afizi également avec nous, Saïd éditorialiste également. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et puis il y a M. Valérie Hondo, ancien joueur international de l'équipe du Gabon. C'est bien ça, M. Valérie. Tout à fait. Qui ne joue plus du tout, qui ne touche plus le ballon. Si, si, mais à mon niveau, avec les vétérans. Avec les vétérans. Tout de suite, nous allons nous adresser aux internautes. Alors, vous savez que M. Bruce a été limogé par le Cameroun. Il n'est plus entraîneur. Et justement, nous vous demandons quel doit être le profil du prochain sélectionneur de l'équipe du Cameroun ou des Lions Indomptables. Vous n'hésitez pas, vous intervenez comme d'habitude sur Facebook, Africa 24 TV ou Twitter avec le hashtag Africa 24. Nous allons retrouver la une tout de suite. Et justement, après le tirage au sort de cette Coupe du Monde, je vous rappelle que 5 sélections représenteront le continent dans la compétition. Quelles sont leurs chances d'aller le plus loin possible? Analyse des équipes du groupe, des groupes. Et nous commençons avec l'Égypte, justement. Et je vous propose de regarder ce dossier qui est commenté par Idette Mirabel Bissou. Et nous allons discuter tout à l'heure. Pour ce mondial 2018 de football en Russie, les équipes africaines sont toutes logées dans des groupes relevés. L'Égypte, qui dispute sa troisième phase finale d'un mondial, fera face aux pays organisateurs, la Russie, l'Arabie Saoudite ainsi que l'Uruguay, amenés par les attaquants Luis Suarez et Edison Cavani. Les pharaons d'Égypte ont donc une carte à jouer dans ce groupe A. Eux qui ont réussi à se qualifier pour une nouvelle phase finale d'une Coupe du Monde en octobre 2017. L'Égypte a le fil pour stopper l'ardeur de ses concurrents. Pas spectaculaire sur le rectangle vert, cependant très discipliné, les pharaons encaissent très peu de buts et s'imposent souvent par la plus petite des marges. Ils vont donc pouvoir compter sur des joueurs de très bon niveau, à l'instar de Mohamed Salah de Liverpool, qui se positionne actuellement comme l'un des meilleurs footballeurs africains pour passer le cap des poules. Voilà, nous allons voir le tableau justement de l'équipe de l'Égypte avec la Russie, donc qui n'est pas une foudre de guerre aujourd'hui bien sûr, l'Arabie Saoudite et puis l'Uruguay qui est peut-être la sélection la plus dangereuse. Est-ce que vous êtes d'accord, Joël Monluis? Nous allons retrouver tout d'abord le jingle du débat et puis Joël Monluis va nous répondre. Alors, Joël, c'est Cavani qui vous fait peur? Avec l'Uruguay, quelle équipe qui vous paraît la plus dangereuse pour l'Égypte? Évidemment, dans ce groupe, on pense forcément à l'Uruguay. Tout à l'heure, vous disiez que la Russie n'est pas une foudre de guerre, mais en tant que pays organisateur, effectivement, on sait à quel point l'émulation du public derrière, qui sert finalement de 12e homme, peut permettre à l'équipe nationale d'aller très loin. Donc, on sait qu'effectivement, l'Arabie Saoudite, c'est tout à fait prenable. Il faut espérer effectivement que la Russie sera dans une certaine méforme, mais bon, je pense que les Égyptiens ont évidemment une très très belle carte à jouer. D'autant qu'ils n'ont jamais affronté aucun de leurs adversaires, donc ils arrivent un petit peu vierges de toute confrontation, donc la surprise est toujours possible. Oui. Alors, le meilleur. Saïd, vous êtes d'accord avec Joël Monluis? Je suis d'accord avec Joël Monluis, mais en fait, on connaît cette équipe d'Égypte. Cette équipe d'Égypte-là, pour tous les amateurs de football africain, c'est un scandale qu'elle ne soit pas en Coupe du Monde depuis tant d'années, parce qu'on sait le jeu et la qualité qu'elle produit. Mais ses adversaires? Oui, les adversaires de l'équipe d'Égypte, là, effectivement, on parle de l'Uruguay. Cette équipe d'Égypte-là est la
est l'équipe africaine qui a eu le meilleur tirage. C'est celle qui est en mesure de se qualifier et même de décrocher, je dirais même, la première place. Je la vois inquiéter, cette équipe d'Uruguay. Il va falloir juste que la défense, qui est un peu vieillissante, tienne le choc face à l'attaque de l'équipe nationale d'Uruguay. Mais devant, ils ont la qualité nécessaire pour marquer des buts à cette équipe d'Uruguay. Ils peuvent finir premier de cette poule-là. C'est l'équipe africaine qui a eu le meilleur tirage. Oui, alors Saïd Afizi, vous voulez peut-être parler aussi de Cavani et Suarez, qui sont les hommes les plus dangereux de cette équipe de l'Uruguay. Vous, quel est votre point de vue, Valérie ? Écoutez, je pense que l'Uruguay continue à rester une grande nation du football, donc à ce niveau de la compétition, bien évidemment dangereuse, même si force est de reconnaître qu'elle est quand même sur le déclin. Suarez n'a pas le même rayonnement, même si bon, Cavani reste toujours un redoutable buteur, mais bon, cette équipe n'a plus la même verve qu'il y a 2 ou 3 ans, ou même lors de la dernière Coupe du Monde. Donc cela laisse évidemment de l'espace à l'Égypte, qui va déjà démarrer son match contre l'Uruguay. Donc on sait la difficulté des premiers matchs, donc c'est là une opportunité également de se positionner dans ce groupe, alors que bon, comme on le disait aussi, la Russie est une grosse inconnue, on ne connaît pas véritablement son niveau. On peut penser que chez elle, attention également, si la pression elle est trop forte, qu'ils peuvent déjouer. Donc il y a beaucoup d'éléments qui, si les Égyptiens les mettent à profit, peuvent faire en sorte qu'ils puissent se faufiler entre la Russie et l'Uruguay pour s'inviter au second tour. D'accord, merci beaucoup. Ça y est, un tout dernier mot. Oui, un petit dernier mot. Ce qui peut être intéressant pour cette équipe nationale d'Égypte, c'est que l'Uruguay, ce n'est pas réellement une équipe sud-américaine comme on l'entend. C'est-à-dire les équipes sud-américaines, elles jouent beaucoup au ballon, très technique. L'Uruguay est beaucoup basé sur l'impact physique et ça, c'est une tradition depuis très très longtemps. Et l'équipe d'Égypte aime ses joutes avec de l'impact physique et aime aller, entre guillemets, à la guerre sur le terrain. Donc ça peut être un jeu qui est intéressant pour l'équipe nationale d'Égypte. On a l'impression que vous avez regardé les archives de l'Uruguay. C'est une tradition, l'Uruguay. Avec Coupe du Monde. Et puis parmi les stades où jouera justement l'équipe de l'Égypte, tiens, on vous montre le stade du Zenit Stadium de Saint-Pétersbourg, donc que cette équipe d'Égypte va fréquenter avec les autres formations de son groupe. Nous allons enchaîner. Merci pour ces images. Encore une de nos sélections qui peut franchir le premier tour sans danger. C'est le Nigeria. Quel est le niveau de ses adversaires? Regardons ce sujet encore commenté par Idette Mirabel Bissou. Première nation africaine qualifiée pour la Coupe du Monde 2018, le Nigeria retrouve l'Argentine de Lionel Messi comme en 2014 au Brésil. A noter que les Super Eagles et les Argentins se sont affrontés en novembre 2017 en match amical en Russie avec un succès de prestige pour les Nigériens, 4-2. Une performance qu'il faudra bien sûr rééditer afin de pouvoir participer à la phase éliminatoire de cette Coupe du Monde, comme il y a 4 ans. En 6 participations au Mondial, le Nigeria a rencontré 5 fois l'Argentine en phase finale, une équipe argentine qui enregistre 13 participations à une phase finale de Coupe du Monde. En 8e de finale en 1994, 1998 et 2014, le Nigeria est impressionnant lors des qualifications en éliminant l'Algérie et le Cameroun champion d'Afrique 2017. Les hommes de Gernot dispose d'atouts techniques et athlétiques pour rivaliser avec la Croatie de Luka Modric et l'Islande qui est à sa 2e participation au Mondial. En rappel, le Nigeria est logé dans le groupe D avec l'Argentine, l'Islande et la Croatie. Une très bonne présentation d'Idlette Mirabel Bissou, en tout cas. Et Saïd ne dit pas le contraire, je le vois secouer la tête. Nous allons voir le tableau, justement, du groupe du Nigeria, et c'est le D, précisément, avec l'Argentine, l'Islande et la Croatie. En tout cas, vous n'allez pas me dire le contraire, mon cher Valérie, mais c'est juste après le jingle, on va en parler. Voilà. Jingle encore, justement, pour la suite du débat. L'Argentine, c'est un gros morceau. Si on cite des noms comme Lionel Messi, Sergio Romero, il y a aussi le gardien de Manchester, justement, il y a Javier Mascherano, plein de grands joueurs. C'est la grosse équipe. Valérie. Enfin, grosse équipe ne l'a pas démontré lors des qualifs. Elle a eu du mal à se qualifier. Mais bon, après, le talent individuel, il est là, c'est indéniable. Maintenant, de pouvoir jouer en équipe, l'Argentine ne l'a pas beaucoup montré ces derniers temps-ci. Ce qui est sûr, c'est que, de mon point de vue, le Nigeria est son propre danger. Donc déjà dans la façon dont elle va gérer sa préparation, en espérant qu'il n'y aura pas des problèmes de primes, des problèmes dont… – Mais Valérie, je vous interromps, en 78, personne ne connaissait l'Argentine. – En 78 ?– Oui,
lorsqu'elle a joué la première Coupe du Monde, enfin, la Coupe du Monde où elle avait brillé. Oui, mais elle avait des talents. Elle avait des talents. C'est des Kempes de cette époque, Ortiz, les Passarella. Et avec l'avantage, évidemment, de jouer chez elle. Aujourd'hui, bon, les grands joueurs, il y en a toujours en Argentine, mais c'est cette capacité à jouer ensemble, à se transcender lorsqu'ils abordent les couleurs nationales qui posent encore problème. Donc, comme je disais, le Nigeria, c'est toujours cette équipe imprévisible. On ne sait pas de quoi elle est capable. C'est du tout ou rien. Et comme je le disais, il y a souvent les équipes africaines qui ont des problèmes ou qui créent elles-mêmes des problèmes de primes, des problèmes ethniques, notamment au Nigeria. Donc c'est de savoir déjà. Mais ça s'est réglé, hein. J'espère bien. Oui, est-ce que ça soit réglé? Alors, Saïd, justement, je citais quelques joueurs. Il y a aussi Javier Pastore, il y a Giovanni Lo Celso, il y a Angel Di Maria. Les Parisiens. Il y a aussi Gonzalo Higuain. Il y a du beau monde, Sergio Aguero. Il y a du monde. Hein, oui, quand même, c'est une armada, notamment offensive, qui est exceptionnelle. Après, il y a des choix aussi de Sampaoli qui sont vraiment discutables. On pense notamment à Icardi, le buteur de l'Inter de Milan, qui ne joue jamais en sélection nationale. On pense à Dybala, le meneur de jeu de la Juventus de Turin, qui joue pas non plus en sélection. On dit qu'ils s'entendent pas forcément avec Lionel Messi. Après, cette équipe, on se rappelle aussi que le Nigeria a rencontré l'Argentine très souvent en Coupe du Monde, très très souvent, et ils tombent systématiquement. Et là, ils viennent de jouer un amical. Il y a eu Nigeria-Argentine. Le Nigeria s'est imposé. Et moi, je regrette qu'il y ait eu cet amical-là. Bon, c'est un coup du sort parce que le Nigeria ne sera plus en mesure de surprendre l'Argentine. Mais alors, c'est clair. Et ça aurait été bien de les surprendre et de montrer de la qualité tout de suite. Et les joueurs argentins ne seraient pas attendus à ce niveau-là de jeu du Nigeria. Donc ça, c'est dommage, parce que maintenant, ils savent réellement à quoi s'attendre. – Voilà, donc l'Argentine, la Croatie, et puis je sais que Joël a un petit coup de cœur pour l'Islande. Vous aimez bien l'Islande, vous ? Non ?– Non, mais je ne sais pas. Je vous demande, est-ce que c'est un pays dangereux pour… Dans ce groupe-là, non, l'Islande n'est pas… – De façon générale, il faut toujours se méfier. – Se méfier quand même, effectivement, et de la Croatie aussi peut-être. – Il faut justement pas enterrer ni la Croatie ni l'Islande. – Surtout la Croatie. Hein, – Il faudra rester concentré du début jusqu'à la fin. On pense évidemment à l'Argentine dans tous les sens, mais… Les deux autres équipes non plus ne sont pas les dernières. La Croatie, c'est le premier match du Nigeria. C'est le match le plus important parce que si l'Argentine est favori, la deuxième place se jouerait logiquement entre la Croatie et le Nigeria. Et la Croatie, c'est une grosse, grosse équipe. Hein. Au milieu, c'est Rakitic, Modric. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Et on voit ce qu'il fait, Modric, en ce moment. Alors, un stade donc pour le Nigeria, ce sera celui de Volvograd. Volvograd, c'est bien ça, hein, l'Arena, en quelque sorte. Donc, vous voyez comment il est beau, ce stade. Après ces images, donc, je voudrais juste vous parler en deux mots de la disparition d'un ancien défenseur international camerounais, c'est Benjamin Massing. Il est mort d'un AVC à 55 ans. En deux mots, vous avez joué contre ce garçon, Valérie, je crois. Oui. 55 ans quand même. Hein. Ben écoutez, généralement, je ne sais pas trop, mais les sportifs, après la carrière, ont souvent des problèmes cardiaques. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Mais on a effectivement eu l'occasion de s'affronter Gabon-Cameroun, parce qu'à un moment donné, un peu comme le Nigeria et l'Argentine, on tombait tout le temps dans les mêmes groupes de qualifs pour la Coupe du Monde, pour les nations. Donc. Et puis après, on a développé également des affinités entre personnes, parce qu'il a beaucoup de familles, enfin il a une grande famille qui est à Libreville et à qui j'adresse d'ailleurs mes condoléances. – D'accord, vous avez dit après leur carrière, ils ont souvent des problèmes cardiaques. Vous en avez, vous ?– Non, je prie le bon Dieu que ça vient le plus tard possible, mais bon, je ne sais pas trop à quoi c'est dû, un AVC, bon. – Ouais, et puis le technicien Hugo Bousse, je vous l'ai dit, qui ne sera plus l'entraîneur de la sélection des Lions Indomptables, et justement, je vous propose d'écouter Lindovi Joe, qui est journaliste, et Franck Ghislain Ouguéné, qui est consultant à la CAF, écoutez-les. – L'entraîneur s'est très souvent livré à un petit jeu qui consistait à livrer à la vindicte populaire ses joueurs, et ce ne sont pas des choses qui peuvent garantir un environnement sain. Est-ce que cela va avoir un impact positif? Je pense que oui, positif. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a certains joueurs qui ont refusé de revenir à l'équipe nationale tant que Hugo Broos serait là. Il a eu des petits accrochages avec certains joueurs comme Karl Toko Ekambi qui sont aujourd'hui, qui est à un moment
prenaient déjà une certaine ascendance positive, mais ils ont eu des accrochages avec le coach. Il y a certains joueurs qu'on a considérés comme les bannis, Soulet, Hugo Bros, qui pourront peut-être voir leur destin changer à travers ces décisions-là. Donc effectivement, cela pourrait avoir un impact positif. Voilà, et puis Viviane Baoken, notre correspondante à Yaoundé, nous informe eh bien, que c'est l'équipe de New Star de Douala qui a remporté la finale de la Coupe du Cameroun, 1-0 en battant USM de Loum. Nous aurons un sujet à suivre sur Africa 24 à propos de cette 58e édition de la Coupe du Cameroun. À tout à l'heure, juste après la pause, où nous serons avec M. Mamoutou Touré, le président actuel du Mali. À tout de suite.